Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Papy Corse éclate sur Action Rivale. Il est 18h59 et nous sommes le dimanche 26 mai 2019. Voilà. Donc il y a ça et puis le nombre d'adhérents pour finir. Yazoog, je sais pas, hein, avec deux O, je sais pas comment que ça se prononce. Hein. Yazoog, je te dis Yazoog. Donc le nombre d'adhérents, c'est-à-dire que si on est 10 joueurs, sans me compter moi et Mamie Corse, si on est 10 joueurs, il me faut 10 abonnés, voilà, tout simplement. Donc là je crois qu'on a dépassé parce qu'il y en a qui ne se sont pas réabonnés, donc on doit être une dizaine de joueurs et je dois avoir que 6 abonnés, donc il faut attendre qu'il y ait 11 abonnés ou qu'il y en a qui quittent. Je sais que Arnaud voulait quitter, Cyclope il voulait quitter, Venom aussi il voulait quitter. Donc voilà, il y en a qui voulaient quitter, j'ai dit bah non, restez et tout. Après, s'il y en a vraiment, toi tu veux venir, tu veux pas t'abonner, bon tu t'abonnes pas, tu fais comme tu veux, c'est pas réservé aux abonnés. Hein, mais il faut un nombre d'abonnés parce qu'il y en a qui s'abonnent à mon Twitch, mais qui peuvent pas jouer avec nous parce que ils ont la PS4 ou parce que ils ont la Xbox, la X1, je sais pas quoi. Voilà. Donc voilà les conditions pour nous rejoindre. Yazoog, hein, c'est ça. Yazoog, voilà, c'est ça. Donc je sais pas si ça te convient, c'est voilà, hein, c'est pas du strict. Hein. Voilà, donc j'ai commencé à 10 slots et là j'ai mis 18 slots, hein, enfin 18 joueurs hein, maintenant là on est. Et plus ça ira, plus j'augmenterai et voilà ça. Mais le but c'est de faire les boss quoi. De faire les boss, de finir l'aventure de Ark ensemble. Et ça nous permet de nous entraîner parce qu'on a enfin c'est pas notre serveur mais on a une base sur le 175 et ça nous perfectionnera et voilà, après on pourra aller faire des raids sur le 175, chose qu'on faisait pratiquement jamais. Voilà. Je pense que tu sais tout ou tu sais pas mal, si tu as des questions, tu peux, hein, y a pas de souci. Mais tu seras le bienvenu, hein, bien sûr, hein, pas de problème. Hein. Après, il faut apprendre à te connaître, quoi. Parce qu'il y en a, ils peuvent changer leurs identifiants et tout. Et c'est quelqu'un que, voilà, qui nous a fait du mal sur le serveur. Sur le, parce qu'il y en a qui s'en servent du Twitch pour nous aider. Hein, voilà, ils regardent exactement où c'est et tout. Et puis, bah, ils viennent nous péter après. Bon, là, c'est plus du jeu, hein, c'est de la jalousie. Hein, donc, pour ça qu'on est prudent. Donc tu réponds pas, t'es peut-être parti, on marque, je sais pas. D'accord, car autre jour, il s'est connecté et Kaiser lui dit bonjour et Psycho, même pas, il l'a répondu, il a juste regardé la base, regardé nos dinos et du coup, il s'est déconné. Ouais, ok, ça marche. Salut, c'est Yann, hein, c'est ça. Ouais, salut Yann, comment va? Ouais, ça va, tranquillou. Ça va, Yann. Wizou, hein, c'est ça, c'est Wizou, je viens de regarder là, justement, ta base. C'est qui là qui est à côté là? Quelqu'un à côté de moi là? Non? Hein? C'est toi? Ah ouais, c'est toi, ouais. Ouais, moi je fais un petit peu de métal, moi. Non, bah écoute, hein, Shiro, il n'y a pas de souci. Hein. Tu vois, hein, après, si tu sens qu'il y a du danger et tout ça, t'hésites pas. Hein, tu l'enlèves de la tribu, au moins il ne peut plus te casser, ça c'est clair. Il peut venir sur le serveur. Et dès qu'il y a un petit coup tordu, je change le nom de passe, hein, parce qu'il y a un nom de passe pour venir à mon serveur. Ah, je change le mot de passe, je redémarre le jeu, j'actualise le jeu, je change le mot de passe et puis je vous le repasse à tous. Hein. Ceux qui jouent régulièrement, parce que je ne vais pas courir après ceux qui ne jouent pas régulièrement. Hein. Après, il faudra qu'ils me le demandent. Hein. Voilà. Donc, au moins de petits trucs, faut me le dire, hein, les gars. Hein. Mais bon, celui qui nous veut du mal, il sera assez rusé, bah, t'inquiète. Hein. Il viendra à 3-4 heures du matin, il fera le maximum de mal. Mais bon, le truc, c'est que voilà, moi, on ne me fera pas trop de mal puisque j'ai personne dans la tribu. Patricia, c'est pareil. Tandis que vous, si vous recrutez quelqu'un dans votre tribu et puis que c'est un loup, eh ben, hein, il peut tout démolir. Hein. T'imagines, Shiro, tu te reconnectes demain matin, t'as plus de base, t'as plus rien. Il a tout démoli, l'autre. T'imagines? Tu serais furax, hein. C'est pour ça, le mieux, c'est de jouer tout seul ou avec quelqu'un vraiment que tu connais, quoi, de longue date. Hein. Parce que t'as pris des risques, hein. Après, tu fais comme tu veux, hein, Shiro. Mais t'as pris des risques. Hein. Tandis que nous, bon, le temps qu'il développe son C4 et tout, bon, voilà, après, on voit. Hein.
On peut interagir assez rapidos. Hein. Action, réaction. Voilà. Ouais, s'il y a le moins de soucis, faut me le dire. Ouais. Wizou, ouais, sur Steam, c'est moi. Ah, Wizou, ouais, j'aime bien ce nom-là. Ça fait un petit nom de personnage manga. Wizou, j'aime bien, c'est cool. Le mien, c'est de dire bonjour. Ah bah, c'est sûr, après, voilà, moi, je viens voir Paco, j'y dis bonjour. Bon, à part s'il m'a pas entendu, s'il me regarde... Et puis il se barre, il regarde ma base, il se déconnecte. Il y a un souci, hein, c'est direct le chuchot déjà. Le chuchot, Paco, il y a un problème. T'as pas vu Dev hier soir ou quoi? Non, mais pas de problème. Hein. Tout le monde va bien, bah ouais. Hein, et toi tout seul, tu vas bien? Comment ça va? Cassi, tu ne comprends rien à l'amour. Aimer la nuit, aimer le jour. Ça, y a personne qui connaît ça, c'est obligé. C'est pas une chanson d'Eurovision, ça? Non? C'est pas les Kajagougou qui chantaient ça, quand même. Ah? Kajagougou, ouais. Kajagougol. Ah, c'est tout shy, oh, les paroles de Nance aussi, tiens, on dansait là-dessus. C'était de la New Wave, ça, hein, avec leurs perruques et tout, là, leurs cheveux. Ah ouais, c'était de la New Wave. Ouais, j'avais le poster dans ma chambre, dis donc, ouais. Kajagou, ouais, j'en ai eu très peu. J'ai eu Karen Sherry, j'ai eu Michael Jackson, Kajagougou, et en actrice, j'avais... Comment elle s'appelait, alors? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. J'avais une actrice française. James Dean, ouais. Ah, j'avais Johnny, moi, qui imitait James Dean avec le fusil sur l'épaule. Oh, les posters. Non, mais les... Oh, salut les copains. Forcément, si son Windows. Ah, qui passe. Déjà lundi, demain. Mais non, c'est demain lundi, Yann. Laisse tomber le demain. On est aujourd'hui. Oh. Papy, pour les ralentissements, papy, hein. Formage Windows, des fois, et ça fait. Un formatage. Ah ouais, non, j'enlève pas mon Windows et je le remets après. Rem, arrête. Et... Oh. Ah ouais, non. Ouais, c'est ça, voilà, faut que je réinstalle tout. Ouais, non. Pas forcément. Si ça sont Windows en SSD. Non, il n'est pas sur mon SSD, justement, Rem. Ah, le Windows, pas le jeu, ouais. Ah, tu mélanges tes phrases, ouais, Yann. Ouais, non, faut pas mélanger les phrases. C'est pas bon. Ils sont déjà mélangés, les phrases françaises. Faut pas les remélanger, après, c'est fini, là. Oh, ça fait du bien, un petit peu d'air frais, là. Ça y est, ça commence à rafraîchir un peu, là, tu vois. Ça fait du bien. L'air chaud, c'est bon. Humide et chaud. L'impression de te mettre devant le sèche-linge, tu ouvres le hublot et t'en prends plein la poire. L'impression que c'est ça. Vas-y. Ça, c'est bon. Je suis à combien là? 637 kilos, ça va, tranquille. Je suis métisse, mélange de couleurs. Métisse. Alors métisse, mélange de couleurs, c'est-à-dire, dis-moi, parce que le blanc et le noir, c'est pas une couleur, ce sont des tons. Ah. Le gris, pareil. Le marron, pareil. Je me suis posé la question l'autre fois. Le marron, c'est une couleur, mais c'est un mélange de noir et de blanc. Non, ça, c'est du gris. Le jaune. Il y a du jaune dans le marron, donc c'est une couleur. Excuse. D'accord, je me suis posé la question la dernière fois. Et le gris, c'est pas une couleur, c'est un mélange de tons. Hein? C'est un ton. Voilà. Voilà, d'accord, ok.
C'est une chanson, ouais, c'est une chanson, je suis métis, mélange de couleurs, je cherchais justement. Qui c'est qui chantait ça? Oh, c'est pas le groupe Kassav. C'est pas. Ah, oh, il y en a une, là, une métisse qui chante là, comment ça s'appelle? C'est un homme ou une femme, Ira? Chanson française. Ouais, chanson française, enfin antillaise, quoi. C'est. Ah, ouais, Yannick Noah, ouais, c'est ça, ouais, d'accord, ok. Ouais, Yannick Noah. Moi, ce que j'aime bien, c'est sa chanson, c'est les femmes lions, là. Les lionnes. Les lionnes sont des femmes, là, je sais pas quoi, là. J'aime bien celle-là. Elle est cool. Mais je danse avec mon chien sur une musique de Yannick Noah. Sur une chanson de Yannick Noah. Ouais, devinez laquelle. On fait la même chorégraphie en plus, tous les deux, moi et mon gros chien, qui est malheureusement décédé il n'y a pas longtemps. Devinez laquelle. Alors, soit ils savent pas, ou soit ils s'en foutent. C'est clair. Ouais, c'est ça, ouais, Rem. Saga Africa, ouais. Ouais. Mon chien, il est devant, moi, je suis derrière, puis on saute comme ils ont fait à Roland Garros quand il a gagné la coupe, là. Non, c'est pas. Non, quand il gagnait la coupe, il chantait pas. C'est quand il était président de la République, non. Antillaise, peut-être, mais pas de la France, non. Non. Ouais, non, c'est un pays d'Afrique. Même il parlait de son grand-père, il s'est fait tirer dans le dos. Ouais. Il l'a perdu comme ça. Ouais. Camerounais ou un truc. Ouais, c'est ça, un pays noir. Ouais. Ouais. Ah ouais, exact, t'as raison. Non, mais faut me reprendre, faut pas que je dise des âneries, moi. Ouais, non, c'était quand il était président du tennis, là. L'entraîneur, ou je sais pas quoi, là. Saga Africa, ouais. Après, je l'ai en vidéo. Hein. Je l'ai mis sur Facebook, je crois. Je l'ai sur mon Facebook, mais je ne l'ai pas mis sur YouTube, parce que YouTube, tu as les droits d'auteur. C'est comme je fais les rubettes aussi avec mes quatre enfants. On mime les quatre rubettes. Il y a la musique, et puis moi, je suis à la batterie. J'ai un de mes fils, le plus petit, il chante. Enfin, il fait du playback. Hein. J'ai ma fille qui fait semblant de faire du piano sur la table. Et j'ai mes deux autres fils, ils font de la guitare avec des raquettes de plage. C'est trop. Et puis ils me l'ont viré de YouTube parce que la musique, elle était entière, hein, faisait un petit peu moins de 3 minutes. Ils me l'ont viré pour les droits d'auteur. Mais j'avais énormément de vues, c'est dingue. Surtout au Vietnam, parce que j'ai plus de 4500 amis sur Facebook vietnamiens et vietnamiennes. Et ils se la partageaient. Je sais pas, ça, je faisais un tabac, moi, là-bas au Vietnam. Ils me l'ont viré, ces abrutes. Ouais, faut bien délirer. Hein. Ah, c'est pas les vidéos de Arc qui vont faire des vues, hein, ça c'est clair. Maximum, ça doit être une soixantaine de vues pour un épisode. Mais bon, c'est pas ce que je recherche. Hein. Moi, c'est mon stockage pour faire des petites montages après, par la suite. Parce que les disques durs, ça coûte cher. Hein. 3 ou 4 terras, t'en as pour 120 euros. Hein. Fait Géro. Hein. J'en ai déjà deux. L'autre, il arrive à. Il va être plein bientôt. Hein. Donc. Va falloir que je réinvestisse et j'ai pas envie. Hein. Fait cher tout ça. Qu'est-ce que t'as encore? T'as faim? On va te donner à manger. Hein. Attends. Eh hey, oh, il est 19h13 là. J'ai oublié quelque chose, moi. Oh, mais dis donc, Rem, il me dit rien en plus. Il me laisse comme ça. Non, mais. T'as la diète, Rem, ou quoi? Tu fais le ramadan médoc aujourd'hui, ou quoi? Mais. Faut que je casse le jeûne, moi. C'est l'heure, le soleil est couché depuis longtemps, là. Il faudra que j'aille chercher mon médoc. Hein. Bah ouais, c'est ça, Rem.
Ça veut dire quoi, ça? Tu me vois pas en train de gurgiter mon médoc? Voilà, il me laisse mourir à petit feu. Ah, je te croyais pas comme ça, Rem. Ah non, là, franchement... Oh, ah, j'hallucine. Ouais, Bruce Lee, il a un fils, en fait. Hein. Je sais pas ce qui était pas là, là. Hein. Il l'a appelé Guy. Hein. Mm. J'ai vu ça ce matin, j'étais mort de rire. Le Ramda de Médoc, ouais. En anglais, c'est Bryce Bed. Bryce Bed. En français, c'est Bruce Lee. Je viens de l'inventer, celle-là. Elle est pas mal, hein. Bruce Bed. Do you speak English? Yes, yes. I am Bruce Bed. Gilly, ouais, c'est ça, Gilly. Gilly, viens là. Tu l'as complètement. On rigole derrière, hein, franchement. Ça, c'est incroyable, ça. Je vais chercher mon médoc, ça va me faire du bien, moi. Gilly. Ah, tu le savoures encore plus, ah oh. D'accord. Bon, ben moi, je vais aller le savourer, le mien. Tu vois, je peux en prendre qu'un, parce qu'il me reste plus qu'une dose. Faut que je renouvelle demain. Faut que j'aille à la pharmacie au bar demain. Enfin, si je me mets là, je suis bien. Il n'y a pas d'alosa, il n'y a pas de T-Rex, il n'y a pas de... Je mets le glucose. Non, c'est bon. Allez. Bon, je vais chercher hein, mon doc. Attends, il a faim, par contre. J'arrive, hein, de suite. Hein. Ok, faites patienter les autres. On est combien, là? On est 4. On est bien, hein. On est 4. À tout de suite. Par contre, t'as des petits desserts ni coco qui sont à l'extérieur comme ça, tu mets rien dessus? Il n'y a pas de mouche, mais bon. Non, il n'y a pas de mouche pour ça. Ouais. Ok. Moi, je m'excuse, hein, les amis Twitch, ils ont l'habitude, mais YouTube, ils n'ont pas l'habitude. Hein. Donc voilà, il y aura un petit 2 minutes en moins. Hein. Voilà. Attends, pourquoi ça bloque ça? Oh là 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 là. Aïe, aïe. Oh, on est. Hein? Je suis un vrai pro, moi. Je suis un vrai gamer. Sur une table, un fauteuil de je sais pas quoi. Hop. Voilà. Allez, voilà gain au faux. Faux le gain au faux. Allez, c'est parti. Attends, j'ai eu un bip-bip. C'est peut-être la personne qui accoste, non? On verra après. Allez, hop, c'est bon. Non, il accoste à 19h30. Ouais, dans 12 minutes. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai, moi, dans l'aigle? Oui. Maxiosaur. Merci pour ton follow. C'est quel dinosaure, ça, Maxiosaur? J'en ai pas vu sur la carte encore, les Maxiosaur. Les Maxiosaurus. Voilà. Tu dois être fan d'Arc, non? Pas ton nom, quand même. Le poids... 1,3 tonnes, bon, encore un petit, et puis on y va, on va rentrer, on va faire brûler tout ça. Et puis on va préparer les armes et tout pour la grotte, 19h20, normalement Chiro il revient vers 19h30, on va dire pour 20h ça serait pas mal, 20h je risque d'installer les Stivans. Bon, on va gérer. Et ça reflotte, comme ça c'est bien.
Purée. Voilà, gain de faux. Eh ouais, voilà, gain de faux. gain faux. Allez, on rentre là. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ah, moi, je trouve un petit mouton, là, ça serait top. Mais bon, faut pas rêver. Ah ouais, c'est ça les gars, les thoriums, hein. C'est ça les gros nounours là. Il y en a deux là. Ouais, on va faire la blues mother, l'araignée bleue avec ça. Les mégathériums. C'est ça, un mégathérium. Bon là, je sais plus à qui c'est, je vais prendre un petit peu de sève. C'est à Patou. Bon, ça va, elle est pour là. On va pouvoir y prendre un petit peu. Hop là. Blop, blop, blop. Là. Là, c'est bon. Attends, toi, tu ranges ta pioche. Je crois que je la répare en plus. Il n'y en a que 11 là. Ah, elle est venue il n'y a pas longtemps alors. Elle est venue les récupérer il n'y a pas longtemps. Normalement, ça plafonne à 20. Ah ouais, il n'y en a que 11, ouais, d'accord, ok. Elle doit venir régulièrement, venir les chercher, parce qu'elle sait que je lui prends. Mais elle m'a jamais gaulé. Alors. On a vu deux moutons dans la neige. Ah ouais, ah, j'aimerais bien en avoir des moutons. Le couple, je fais des agneaux et puis je fais des gros. T'en es où avec ton gigano? Il paraît que tu endormais un gigano, Chiro, Patricia m'a dit. T'en es où, là, de ton aventure, là? T'as laissé Kaiser continuer seul alors? Oh là, attends, je suis dans la mauvaise direction moi là. Voilà, c'est par là, ok. Allez, go. Ah, il s'est réveillé, d'accord, ok. Ah. Gigano, je t'apprends rien, on fait pas les boss avec. Hein. Ça passe pas. Hein. Ah ouais. Ça fait du bien par là où ça passe, hein, comme dirait l'autre. Je parle de la boisson. Hein. Tout de suite, je vois dans les pensées de certains. Là. Ça dépend par où. Ah, misère. Ah, je ne citerai pas de nom. Hein. Non, il s'est réveillé, mais il est enfermé dans un piège, donc il va... Ah, d'accord, ok, tu l'as enfermé, ok. Un piège en métal, je suppose, Chiro. Son pierre, il les casse, hein, je crois, il casse la pierre, lui. Hein. Attends, ouais, je regarde l'énergie, là, j'avais eu peur, c'est bon. Il y a des structures là pourtant, il faut arrêter quoi. C'est fou hein. Ah, t'as tué ton Rex 312. Oh la vache. Ouais, en métal. Ouais, donc t'as une sacrée perte là. Un peu là, regardez autour, être prudent.
Allez, hop. Mettre tout ça à brûler. Il y a un coffre là? Ah ouais. Allez, hop, un petit coffre. Voilà. C'était quoi? Utiranus. Utiranus. Uchi. Bon, allez, un petit indice. Un petit indice, le troisième chiffre du code PIN. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc ceux qui écoutent, ils n'ont pas l'image, tant pis. 80 000 PV, le gigano. Waouh, 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 waouh. Purée. C'était à... Comment que tu sais qu'il a 80 000, le gigano? Tu t'as regardé avec quoi? Ah non, ouais, quand il était endormi, ouais, c'est vrai, je suis bête. Exact. Ouais. Ah, 80 000. C'est à quel niveau 110, 10, c'est tout? Un niveau 10? Oh, 80 000. Tu m'étonnes, j'avais pas réussi à l'avoir, mais blindé comme j'étais. J'ai même pas fait saigner, hein, même pas une petite goutte, hein, rien du tout. Hein. Bazooka, truc légendaire, mythique, tout, toutes les armes. Des balles, je te dis pas combien. J'ai même pas fait saigner, il m'a mis deux coups de croc, ça y est, j'étais mort. Terminé. Et tu l'as endormi avec quoi, Shiro? T'as les fléchettes, t'as le harpon, t'as... C'est juste sous l'eau, tu peux pas t'en servir sur terre? Ah bon? D'accord. Allez, hop, on va mettre tout ça là-dedans. Oups, oups. Voilà. Fusil canon long rare avec des fléchettes. Ah, d'accord, ok. Et tu en as mis combien? J'ai vu un niveau 60, pas loin dans... Ouah, 60, laisse tomber. Tu en as mis combien à peu près de fléchettes? 50? Tu vas régulièrement chercher ta sève, toi, Thio? Parce qu'il n'y en avait que 11 par truc, là. Hein. D'accord. Enfin, t'en as plus, là, n'y va pas. Je suis pas un voleur. Mais non, c'est la douane. Tu vas pas dire que les douaniers sont des voleurs. T'as un droit de passage. Bon. T'es en dette, parce que normalement, c'est 20. C'est 80. J'en ai ramené que 43. Toi, tu m'en dois. Tu me les mettras dans mon armoire, s'il te plaît. Hop, appuie. J'avais laissé ma trappe ouverte, j'ai dit attention, il y a une... Ah ouais? Une tourelle? Ouais. Moi j'aurais pas été franchement. Ouais non. Eh, oh, tu m'as invité, je me suis déjà fait descendre par tes toiles hein, deux fois. Hein. Bon. Oh excuse-moi. Bah oui, attends. Plus de combine, plus rien. Eh oh. Ah bah il y avait intérêt, c'est ta faute. Tu m'invites et ta tourelle à me descendre. Eh oh. Heureusement qu'on reçoit pas comme ça. Tu vois pas toi? Venez, venez, je vous invite. T'as oublié d'enfermer le chien il saute dessus, il t'étripe les invités. Il n'y a pas de remboursement là de fringues. Hein. Ah non. Et... Bon, ça fera toujours ça en plus. Hein. Non.
t'as retiré les tourelles pour le... Non, j'en ai pas, moi, Rem. J'ai pas de tourelles. Ah, chez moi, là, ici, ouais, ouais. Ah, j'en ai quatre au-dessus de mon lit. Mon lit, il est contre le mur. J'en ai deux en bas, deux en haut. Et j'ai une grosse, tu sais, un gros canon dirigé au milieu, là, pour ses coucougnettes, s'il les sort. C'est un détecteur de coucougnettes. Dès qu'il y en a qui... il détecte, il envoie le boulet. Donc, là, il n'y a pas de problème. Ah ouais, non, non, dans ma chambre, je les ai. Il n'y a pas de problème. Elle rentre pas, là. Je dors tranquille, t'inquiète. Par contre, faut pas que je rentre nu dans ma chambre parce que les coucougnettes, c'est des coucougnettes. Hein. C'est... Ah. Ils se ressemblent, hein. Il y a beaucoup qui se ressemblent. Après, voilà, c'est pas des détecteurs faciales. Hein. Tu sais, la face, on est tous différents. Mais coucougnettes, je sais pas s'ils en font un jour des détecteurs de ça. Les eunuques, ils auront un problème, ils pourront passer partout. Oh les pauvres, oh mes vaches. Marc, c'est leur choix hein, aussi. Hein. Ils sont faits eunuques, voilà. S'ils le voulaient bien. Hein. Dans le temps, vous n'avez pas le choix. Ouais, je sais que dans les pays en Inde, ils imposent. Hein. C'est comme l'excision là, des africaines. Là. C'est pourri ça. C'est comme en Asie. Non mais. Ouais, dans les temps anciens, ils n'étaient pas encore formés, les humains, là. Là, ils y sont un peu plus. Enfin, on se demande, remarque, on en voit certains. On se dit, un problème. Oui. Oh, salut, Pritz. Comment on va? Viens-tu faire la grotte avec nous ce soir? Bientôt, même. Dans une demi-heure, à peu près. On se prépare. Ça va, Pritz. Ça va, tranquille. Bon, je fais un dernier épisode avant d'aller faire la grotte. Hein. Dernier épisode de préparation. Salut à tout le monde, donc. Hein. Rendez-vous au prochain épisode. Merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao.